Salut, ça va? Vous allez bien? Ça, c'est même pas une vidéo, hein. C'est un truc que je fais comme ça vite fait. Pendant que j'étais en train de circuler sur les réseaux sociaux, je constate qu'il y a une vidéo qui a fait le tour de la toile et surtout que j'ai beaucoup reçu sur mon WhatsApp. La vidéo de la fille de Fally Ipupa. Aujourd'hui, c'est son anniversaire et son père l'a offert un cadeau. Et là, j'en boudais le cadeau, quoi. Les gens ont fait quoi? Non, mais t'es sérieuse? Un cadeau de luxe comme ça, venu de ton père, t'as fait genre. Attendez, attendez. Je ne vais pas prendre une heure d'analyse dessus. Hein. Je vais d'abord voir la vidéo moi-même, de vive voix et des vifs yeux. Je veux voir, il y a quoi même? Elle ne peut pas faire ça? Hein? Regarde, regarde, regarde. Keïna et Poupa. Keïna et Poups. Non mais sérieux quoi. Hé. Moi on envoie un doigt, on envoie un doigt. D'abord, joyeux anniversaire, petite sœur. Mais après, j'ai dit, hein, c'est toi qui mets veston rose qui dit que toi les roses, tu n'aimes pas. Montre en or, en bijoux, en doré, en diamant. C'est toi les roses que tu n'aimes pas là pendant que tu as mis veston rose. Moi, n'en vois un doux. Et c'est comme ça, ta couleur préférée, c'est le jaune. Ma chère, les oranges jaunes et les bananes jaunes, là, tu ne vois pas suffisamment. Tu sais, je vais te dire une chose. On a vu les enfants de certaines personnes ici. Leurs filles en plus. Nous autres, on est là. Les enfants des extraterrestres, etc. Une telle attention, on n'a pas eu. Toi, c'est montre qu'à fond rose. Tu dis, mais cette couleur. Toi comme ça avec nous. Nous comme ça avec toi. Merci, papa. C'est la fin qui m'a plu, quoi. Genre, elle n'aime pas trop, mais elle n'a pas le choix. Elle a dit merci, papa. Ben, c'est mignon, l'attention surtout. Et le papa qui fait la talaku de sa fille. Cette famille. Oh, cette famille. Mais je sais, hein, ça fait des jaloux, quoi. Un papa aussi attentionné avec sa fille et tout. Vous savez, les papas sont le grand amour de leur fille, au fait. Parce que leur fille se réfère de leur papa très souvent pour définir le type de relation qu'elles vont avoir avec les hommes, vous voyez. Et quand un père ne sait pas entretenir des relations avec autant d'affinité avec sa fille, ça peut impacter beaucoup ses choix sur les hommes, sa façon de voir les hommes et le type de relation qu'elle aura. Donc, il faudrait vraiment que les papas soient très proches de leur fille et leur traitent bien, leur remplissent d'amour et surtout leur gâte. Comme ça, même si elle a un mec au fait dans sa vie qui a des millions plus que son père, mais pour elle, son père restera son héros au fait, celui qui va décrocher la lune pour lui ou pour elle au fait. Donc, j'adore la complicité qu'a ma fille avec son père. Vous savez, ma fille, quand son père entre, elle oublie que sa mère est là. C'est tout de suite son père. Pourtant, elle passe plus de temps avec moi qu'avec son père. Donc, cette complicité-là qu'il y a entre père et fils est très importante. Il ne faudrait pas que l'enfant puisse manquer ça. Peu importe la situation, vous pouvez manquer, vous pouvez avoir les relations que vous avez. Ça peut être un enfant que tu as fait avec une autre femme. Peu importe les relations que vous avez avec les mamans de vos enfants, que vous avez eu ailleurs ou quoi que ce soit. Quand vous avez des filles, il faudrait toujours être là pour eux. La présence masculine dans la vie d'une fille est importante. Et peu importe, surtout, peu importe les situations de la vie. Et quand on est une personne publique, on doit veiller vraiment sur son entourage, surtout sur ses enfants. Si on laisse ses enfants abandonnés à eux-mêmes sur les réseaux sociaux ou encore partout ailleurs, les personnes de mauvaise foi peuvent venir là et tout pour essayer de faire quelque chose de pas bien à vos enfants et ça salit votre image. Vous voyez? Et vraiment beaucoup protéger vos enfants. Moi, je ne connaissais pas la vie des enfants de la plupart de nos musiciens autrefois. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on commence à savoir qui s'occupe bien de ses enfants, qui éduque bien ses enfants, quel est l'environnement de certains enfants, comment est-ce qu'ils se comportent publiquement. Et je vois que la grande majorité de nos artistes veillent sur leur image et surtout protègent beaucoup leurs enfants. Ils ont essayé de réussir dans l'éducation des enfants. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. On dit toujours que ouais, les musiciens n'ont pas étudié, ils n'ont pas un bagage intellectuel, ils se sont lancés dans la musique comme les footballeurs, sans diplôme et tout et tout. Mais quand on voit l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, en tout cas certains, pas tous, hein, parce qu'on connaît, on entend aussi des histoires et on voit des choses,
Ça fait plaisir en fait, ça fait plaisir de voir comment est-ce qu'ils sont, ils traitent leurs enfants quoi. Donc moi je dis vraiment, voilà, félicitations à Fally, il réussit à faire ça, félicitations à lui, à Eriti Watanabe, à JB aussi, parce que ses enfants n'ont pas été au cœur des scandales en tout cas, espérant que le procès va bien se terminer finalement pour Soraya. Et puis il y a qui d'autre? Il y a Werason surtout, ses enfants ont reçu des diplômes dernièrement et tout, ses enfants étudient, hein. Ça fait plaisir, vous voyez. Donc, remplissez vos enfants, surtout vos filles, d'amour, d'attention. Offrez-leur les cadeaux les plus luxueux. Vous voyez, comme une fille comme Keina, elle reçoit un cadeau comme ça de son père, mais elle a envié quoi d'un homme, en fait? Elle a envié quoi d'un homme? Tu vas lui flatter avec quoi? Son père, c'est Mwandu. Son père, c'est Fally, il ne peut pas le king, en fait. Tu vas lui mentir avec quoi? Vous voyez? Bon, c'est vrai que des fois, les enfants des personnes riches aussi se laissent facilement emporter par les hommes les plus, des fois, cons de la terre qu'on ne peut pas expliquer. Mais je pense que les bases que Fally donne à sa fille vont faire à ce que qu'elle ne puisse pas se retrouver entre les mains du premier salaud venu. En tout cas, nous lui souhaitons beaucoup de bonheur. Encore une fois, joyeux anniversaire, n'est-ce pas? J'espère que j'ai bien. Voilà, elle s'appelle Keina, voilà. Donc, joyeux anniversaire Keina et Poups. Plein de bonheur à toi, plein de succès, plein de réussite. Ouais, t'as le choix, hein, tu sais. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, c'est ton choix, c'est ta couleur préférée. Je sais qu'à cet âge-là, on est trop attaché aux couleurs que nous aimons et tout. Voilà. Elle grandit vite, elle est très belle comme son père. Voilà, elle va faire la fierté de son père demain. On lui souhaite plein de bonheur, plein de réussite. Si j'avais une belle voix, j'allais lui chanter Joyeux anniversaire, happy birthday to you, Botama et l'amour. Mais j'ai pas une belle voix, n'est-ce pas? Mais je te dis joyeux anniversaire, plein de bonheur, plein de succès. Continue de faire la fierté de ton père. Sois toujours la tête et non la queue. Suis pas les mauvaises influences, les mauvaises langues et tout. Ce que les gens racontent sur votre papa, mais c'est les réseaux sociaux, mais. Que ça ne vous atteigne même pas. Faites genre kaki paka kokolo. Soyez pas entouré des mauvaises personnes parce que les gens peuvent utiliser tout le monde et n'importe qui pour essayer de vous atteindre. Mais ça ne sera pas vous, les personnes ciblées, ça sera votre père. En fait, ils savent que quand on veut déstabiliser un royaume, on doit toucher aux enfants, on doit toucher à la maman. Et les gens savent que vous faites la force de votre papa. N'est-ce pas? Par exemple, lors du confinement, enfin. Lors du concert de Bercy, je n'oublierai pas une soi-disant vidéo qui était sortie comme quoi c'était Marco Cisney. À quel moment vous avez cru qu'on allait croire à cette connerie? Vous voyez? Donc les gens voudront vous toucher un tout petit peu pour essayer de faire du mal à votre papa. Mais si vous êtes aussi fort d'esprit et surtout solide comme votre papa, ça n'arrivera jamais, jamais, jamais. Joyeux anniversaire, plein de bonheur, plein de succès, plein de réussite. Et j'ai aimé la fin. Merci papa. Donc c'était mignon, c'était bien. Donc voilà, et papa a fait un très beau choix. Il a beau goût. C'est fallu quand même, ça c'est sûr. Et c'est sûr que ça t'ira très bien. Donc voilà, bisous, 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 bisous et plein de bonheur. Donc c'était pas une émission, c'était une vidéo comme ça, vite fait, pour faire mon kisongi-songi. Les gens m'ont envoyé ça. Mais vous savez que j'aime Congo, ça quoi. Vous m'avez envoyé. Non, mais franchement. Quoi? Mais toi, tu mets que Non, or, je ne sais pas bien, regarde. Ouais, c'est pas grave, merci. Merci, papa. Regarde, regarde, regarde le fond. Rose. T'aimes bien? Non, moi, j'aime bien. Ouais. Ouais, mais moi, la couleur, j'aime pas. Mais toi, tu mets que Non, or, je ne sais pas bien, regarde. Ouais, c'est pas grave, merci.